Bonjour les gens des Hauts. Aujourd'hui nous sommes sur les monts des Flandres, plus exactement à la frontière belge. Mais si je fais un pas, me voilà en France. La France, la Belgique. La France, la Belgique. C'est ici, du poste frontière, à côté de Bailleul, immortalisé en 1969 par Henri Cartier-Bresson et classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas Henri Cartier-Bresson, mais le poste frontière. C'est ici que je vais commencer ma visite. Chez les gens des monts des Flandres, nous allons sillonner des villages tels que Berten, Boskep ou encore le village marqué ici. Merci à la technique. Nous allons découvrir les moulins, les estaminets. Je vais transhumer sur le Mont Deca. Bref, la vie des gens de chez nous. Allez, sommaire. Ludovic Châtelain, tenancier d'un estaminet typiquement flamand, va nous expliquer la magie des monts des Flandres. À Berten, Jacques Roussel va nous faire devenir de bons meneurs de labourequins. Je vais voltiger du côté de Boskep avec des brasseurs amateurs. Myriam nous ouvrira les portes du Calibou, un café, librairie, boulangerie à Godvarveld. Et pour terminer, je serai de retour à Berten pour transhumer avec Dominique jusqu'au sommet du Mont Deca.